Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, encore une unboxing Diamond Painting. C'est Noël tous les jours chez moi en ce moment. C'est super. Je suis contente. En ce moment, c'est le facteur fait toc-toc presque tous les jours à la porte. C'est très bien. Alors, aujourd'hui, un unboxing avec la boutique GBFKE. Voilà. Donc, vous connaissez déjà, puisque j'ai déjà fait des unboxings avec eux sur ma chaîne. Donc, ils m'avaient reproposé de refaire un envoi d'articles de leur boutique. Voilà, donc que j'ai choisi. Donc, j'ai choisi aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5 articles. Voilà. Je regarde sur mon cahier. Ben, je suis obligée de noter parce qu'après, je ne sais plus. J'ai une petite tête, un poisson rouge. Alors, on avait fait ça le 10 décembre. Voilà, donc on est le 22. Ça a mis 10 jours pour arriver. Nickel, comme d'habitude. En sachant qu'en ce moment, c'est la période de Noël. Donc, les colis, il y en a beaucoup. Donc, on va dire que c'est une que le colis est arrivé très, très bien. Alors, voilà le colis. Bon, comme d'habitude, hein, j'ai ouvert là. Pas eu d'encombre. Alors, j'ai juste jeté un œil comme ça. À première vue, je n'ai pas de problème. Oh, excusez-moi. À première vue, j'ai pas eu de problème. Et donc, on va regarder tout ça. Tout rien ? Non. Oui, je fais du bruit. Alors, première chose. C'était un petit objet qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et que j'avais envie d'avoir, hein, justement. Bon, malgré que je ne... C'est très rare... Même pour l'instant, je ne fais jamais, hein, puisque vous voyez quand je fais mes diamond painting, je ne fais qu'une couleur à la fois. Mais je voulais cet article, et j'ai vu qu'il l'avait, donc j'ai dit, bah allez, je vais le prendre. C'est un plateau organisateur, voilà. Et vous pouvez du coup utiliser jusqu'à 4 couleurs de perles avec et sans vous mélanger les pinceaux. Voilà. Alors, l'organisateur, c'est ça. Donc, vous avez peut-être déjà vu ou pas. Je vais l'ouvrir. Donc, du coup, j'ai des petits plateaux verts. Mais là, ils vont m'être utiles dans cet objet. Viens par ici, toi. Bon, je vais enlever les petits plateaux pour l'instant. Alors, il est en mousse. Donc, super léger. Donc, voilà. Donc, vous avez les 4 emplacements pour mettre les petits plateaux verts. Et les 4 emplacements pour mettre vos petits bocaux. Donc, c'est fait pour quand vous mettez vos perles dans les petits bocaux. Hein, bocaux. Bocal, beaucoup, oui, j'aime mieux beaucoup. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, donc j'ai eu 4 plateaux, bien sûr. Donc en plus, j'ai un stylet en plus. Un de plus. Et voilà. Alors, donc, on va mettre nos plateaux comme ceci. Voilà. Donc, quand vos plateaux sont... Bon. Là, c'est pour que je puisse... Alors, je ne vous mets pas de perles dedans, hein, parce que là, sinon, ça va poser problème. Voilà. Voilà comment c'est fait. Donc, bien sûr, vous mettez d'abord vos perles, vous les secouez. Une fois qu'elles sont bien en place, vous les mettez sur le petit plateau. Donc, ça vous fait que vous pouvez préparer 4 couleurs. Si vous voulez travailler 4 couleurs à la fois. Et ici, vous allez mettre vos petits bocaux. Alors, j'ai monté dans ma pièce ma petite valisette pour vous montrer
Bon, je vais pas ouvrir les bocaux, les petits pots, hein. Bon, je vais en sortir deux. Voilà. Bon, bon. Voilà. Donc vous mettez vos petits pots comme ça devant et vous savez quelle couleur vous avez. Alors, attendez, je vais en mettre qu'un pour pouvoir le tenir. Vous voyez, hop. Oui, si je penche, ça ne tient pas. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Il n'y a rien de... Voilà. Donc, votre petit pot en haut, dans le trou. Bon, les trous sont plus grands que les pots, mais c'est normal. Hein. Ça, ce n'est pas un problème. De toute façon, vous allez le poser à plat sur votre table. Vous allez poser votre pot dessus. C'est tout. Mais au moins, vous savez que dans ce plateau-là, il y a cette couleur-là. Puisque sur votre pot, vous avez votre référence. Voilà. Donc, de toute façon, quand tout à l'heure ou demain, quand je ferai mon DP, suivant celui que je ferai, hein, je me servirai de ça. Et vous verrez comment je m'en sers, du coup. Voilà. Alors, sur la table, alors je vais essayer de vous pencher pour que vous voyez mieux. Voilà. Sur la table, ça fait ça. Voilà. Et ça fait que vous pouvez prendre, du coup, après vos perles, suivant les couleurs que vous choisissez. Vous pouvez donc travailler quatre couleurs en même temps sur votre diamond painting. Voilà. Donc ça, c'était une petite chose que je voulais depuis un moment. Et ben voilà, je l'ai. Je suis contente. Donc, je vais le remettre dans son petit sachet. Je vais laisser les plateaux dedans. Hop. Je redescendrai avec mes plateaux, le petit stylo, ça je vais laisser en bas. Ah ben il y avait même un petit carré de colle, vous voyez, ils ont mis un petit carré de colle. Voilà, je vous remets bien. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais vous présenter. Donc, en plus, ce petit plateau coûte rien. Hein. C'était 2,99€. Ils en ont d'autres formes, je crois, des arrondis. Mais bon, je trouvais que celui-là, rectangulaire, était beaucoup mieux. Alors, avant de vous montrer les kits, un autre objet que j'ai pris, ceci. Donc, c'est une boîte de rangement. Alors, où est le... Alors, cette boîte de rangement, je sais déjà ce que je vais en faire. Bah, je vais ranger des kits dedans. Voilà, je mettrai les petits. Hop. Donc, vous avez le fond. Et voilà. Donc voilà la boîte. Un grand cube. Donc elle mesure... Est-ce que c'est marqué là? Non. Je vais vous dire la hauteur, la largeur. 26 sur 25. Voilà. C'est un cube de 26 sur 25. Donc moi, je sais que je vais y ranger mes kits dedans. Voilà. Et donc voilà le dessin à faire, hein, le DP. Donc il y a la feuille de protection, hein, bien sûr, comme d'habitude. J'arrive à l'enlever. Ah, elle est cousue. Elle est cousue avec d'un côté, mince. Ah non, c'est juste 2-3 points. Ça va. Voilà. Voilà. C'est réparé. Donc voilà. Ça colle bien. Donc, il n'y a aucun souci. Et au niveau couleur, donc il y en a 11. Donc là, j'ai les petites légendes de couleur. Avec, j'ai le petit kit qui va bien.
avec la petite pince noire qui ne va pas bien. Je ne l'aime pas celle-là. j'ai quelque chose qui me pique sur la main. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais me faire piquer ou... Je sais pas. Ça fait mal. Donc, je vais remettre tout de suite ça pour ne pas le perdre dedans. Et les couleurs, je vais vous les montrer. Alors, je vous montrais déjà celui-là. Des gouttes d'eau, comme ça, vertes. Des autres plus claires. Voilà. Ici, des petites violettes. Et les... Ici, les strass. Donc des jaunes, là les demi-perles blanches, les vertes, les rouges, les bleus, des verts plus clairs. Là ce sont des petites gouttes d'eau holographiques et là des gouttes d'eau rouges. Donc voilà les couleurs que j'ai à mettre sur ce petit objet. Donc pour moi le fer, bon c'est pas compliqué, hein, il me suffira d'enlever ça, hop, de le plier et de faire comme ceci. Voilà. Hop, donc je vais remettre ça dedans. Voilà. Je vais remettre les perles. Et je le ferai tout à l'heure ou ce soir, je vais voir. Et donc ça, je vais l'utiliser pour mettre les petits kits, pour moi les ranger. Voilà. Donc on va remettre dans son plastique en attendant. Alors les articles que je vous montre aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, je vous mets les liens en barre d'infos avec le lien de la boutique. Voilà. Et maintenant, donc ça, hop, derrière avec les autres. Et maintenant, je vais vous montrer. Mais je ne sais pas ce que je me suis fait. On dirait comme si je m'étais brûlée. Je sais pas, bon, soit, un truc pour couper, je l'ai rangé. Ah, non. Alors, on va passer au kit, c'est ça que j'étais en train de dire. Ouvrir avec délicatesse. Alors, celui-ci, c'est un 30-40, c'est un partiel. Donc, normalement, c'est un avec des diamants spéciaux, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Donc, comme d'habitude, le petit kit. J'en ai, mais alors... je sais plus quoi en faire.
Alors, les petites perles strass. Alors, il y en a en zippé, il y en a en chapelet. Donc là, couleur diamant. Des gros rouges. Des plus petits rouges. Là, des moyens comme ça, couleur diamant. Des gros jaunes. Et ici, nous avons les strass. Donc d'abord, les demi-perles blanches. Des strass couleur diamant. Des bleus. Voilà. Un bleu plus foncé. Des demi-perles noires. Pas beaucoup, ça va. Des rouges. Un peu plus grandes, des rouges. Des jaunes et des gouttes d'eau bleues. Voilà pour les strass. Et le kit, alors comme d'habitude, les toiles sont nickel. Un petit coup de fer hein, avant de le faire pour que la toile soit bien droite. Donc il y avait 15 couleurs, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et voilà le dessin que je trouvais super beau. J'adorais ce dessin de femme un peu japonaise. Donc elle a, on dirait qu'elle a un serpent là dans les mains, oui. Bon, j'aime pas les serpents, hein, mais j'aimais beaucoup ce dessin. Donc voilà pour le premier. Dans son petit sachet. Et comme d'habitude, qu'est-ce que je fais quand je remballe? Eh oui, je note sur le sachet. Alors, le crayon, est-ce que c'est celui-là? Alors, G, B, F, K, E. Donc, on est le 22. C'est bientôt Noël. Donc, l'appeler opéra chinois. Je vais marquer femme devant. Femme opéra chinois. Oui, j'ai dit japonaise et eux disent plutôt chinois. Partiel. Voilà. Le deuxième. Alors, celui-là, je pense que c'est aussi un partiel. Si j'arrive à l'ouvrir sans encombre. Mais mince! Avec maman. Ah, cela, il n'y a pas de plastique, mais bon, c'est pas grave. Ah oui. Donc, le petit kit que je ne vous présente plus. Il y a 13 couleurs. Là, c'est un 30-30, ça, je crois. Mais le dessin doit faire 25. 24, le dessin.
Alors celui-là, j'aimais bien parce qu'il me faisait un peu penser à Pop-Up, là, à l'époque des yéyés, des... Je vous le remarquerai en bas si je retrouve comment ça s'appelait, cette époque-là. Un des tout petites gouttes d'eau rouge. Alors, des gouttes d'eau comme ça, orange. Des gouttes d'eau brillantes, turquoise. Là, alors là, tout est en sachet zippé, hein. Donc, des strass bleus, non, vert, enfin, holographique, vert holographique. Des gouttes d'eau rouge. Période des hippies, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. les gouttes d'eau couleur diamant. Les strass bleus. Là, rouge. Ici, des gouttes d'eau, mais fort, avec une petite forme diamant jaune. Holographique violet. Du bleu. Des strass jaunes. Et des strass rouge. Voilà pour les couleurs. Donc j'ai dit 13 couleurs. Donc pareil, hein, nickel, un petit coup de fer. Et voilà. Le visage avec papillons, plein de strass dans les cheveux. Mais ça me faisait penser à un peu à l'époque des hippies. Ce dessin me fait penser à ça. Je sais pas vous, mais moi c'est ce que ça me faisait penser. Donc voilà pour le deuxième. Donc, pareil. Là. Alors, je profite, je devais vous faire une vidéo avec une surprise. Je suis désolée, j'ai pris un peu de retard. Mais vous allez la voir. Alors, du coup, je vais essayer de la mettre avant Noël. J'aimerais bien. Mais sinon, ben, ce sera après Noël. Mais je vais essayer de la faire pour que vous l'ayez avant Noël. Ce serait bien, une surprise avant Noël. Je sais pas, ça me gratte partout. Alors, ici c'est un complet avec combien de couleurs? 23 couleurs. Ce sont des perles rondes. Le petit kit qui va bien. Alors, si jamais il y en a qui en veulent, dites-le moi. Vous m'envoyez un email. Vous m'enverrez des frais de port et puis je vous les envoie parce que là j'en ai une tapée. Mais me dites pas, ah ben tu peux m'envoyer un stylet, tu peux m'envoyer un plateau. Non, j'envoie c'est un kit comme ça. Hein. Je fais pas de
de détails. Pitié. Oui, je sais, je suis vilaine. Je suis une vilaine. Allez. Alors, les couleurs. Alors, on a beaucoup de rouge, orange, rose. On est beaucoup dans ces tons-là. Donc, je vous les montre comme ça. Là, je ne vais pas vous dire à chaque fois la couleur, parce que c'est tout, tout dans les mêmes tons, à peu près. À part qu'il y a un peu de noir. Donc, je vous les montre. Voilà. Vous voyez, c'est toujours dans les mêmes... dans les mêmes couleurs, à peu près. Enfin, la même... là, il y a du noir. Là. Ça, c'est du rose, hein. Pas du blanc. Bon, là, c'est un bleu marine. Hein. Mais oh, il y a des petites perles qui se sont perdues dedans, mais du paquet d'avant, c'est pas grave. Là, là un petit orange. Et du coup, on part dans les couleurs orangées. Là, on repart sur un bleu. Là, c'est encore un... c'est un bleu marine, mais alors presque noir. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est tout à peu près les mêmes... comment ? Les mêmes couleurs. Voilà. Ah, j'ai oublié un bout. Hop, il y avait un bout qui se perdait. Voilà. Ici. Voilà. Et le kit. Alors, derrière, ça va. Alors, c'est le plastique qui fait ça. Je croyais que ça faisait, qui était abîmé, mais non, c'est la feuille plastique de devant qui... donc, voilà. Encore un visage, mais là, dans, c'est plus d'enfant, de jeune fille. Donc là, bon, ça donne pas très bien, je trouve, mais la photo, elle donne super. Mais avec une fois que les perles seront mises dessus, et là, le plastique est un peu chiffonné, même beaucoup, et chiffonné, donc ça rend pas comme ça devrait. Mais sinon, vous voyez, c'est l'impression est bonne et niveau colle. Ça colle, hein. Il n'y a pas de problème. Regarde. Ouais. Mais non, c'est le plastique. Il a été chiffonné, mais ça, c'est pas très grave. Donc, voilà, voilà, voilà. Bon, de toute façon, je vous mets les images, hein, vous voyez, de toute façon, là, après chaque présentation, vous voyez bien que je vous mets les photos. On voit mieux sur les photos, des fois, que sur les directement sur les kits. Alors, ici, allez. Je savais plus le nom de la boutique et la date, donc je mets toujours la date, hein, vous savez pourquoi, comme ça je sais quand je les ai reçus et comme ça au fur et à mesure que je veux en faire ou quoi, je sais. Donc voilà pour aujourd'hui cette petite présentation. Donc ça, mes petits kits vont rejoindre les autres, hein, derrière. Hop.
Voilà. Donc, si certaines d'entre vous veulent des petits kits comme ça, dites-le moi. Il y aura juste les frais de port hein, à payer. Je vous en enverrai. Bon, je vais en garder 2-3 pour moi, juste pour avoir la... Comment ? Pour garder un ou deux stylets, et puis un peu de colle. Mais sinon, j'en ai plein... Je ne sais plus quoi en faire. Et encore, j'en ai dans les kits encore. Hein. Il y a des kits là. Bah, regarde. Hop, il suffit que je tire. Hop, je l'ai. Donc, vous me dites quoi si vous en voulez. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre d'infos, non, mais en dessous de la barre d'infos. Voilà. Des petits pouces bleus si ça vous a plu. Et pour ceux et celles que je ne verrai plus avant Noël, eh ben je vous souhaite d'excellentes fêtes. Parce que là, bon, je pense que maintenant, mes abonnés vont commencer à disparaître un peu de la toile jusqu'à Noël. Je comprends très bien. Donc, si je ne vous vois plus d'ici Noël, je vous souhaite un excellent Noël, un très bon réveillon en famille. Enfin, comme on peut hein, en ce moment, mais je souhaite de vous amuser un peu quand même et de bien en profiter avec vos enfants, votre famille. Et je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.